Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle que j'avais vu sur la chaîne de Sabrina. Et donc c'est un oracle d'Hélène Ciotta, Message des oiseaux. Hélène Ciotta m'a prévenu donc qu'elle allait rééditer ce magnifique oracle qui est donc en aquarelle et donc sur le monde des oiseaux. Et donc j'y ai bondi dessus. Voilà, donc je vous le recommande. Alors je vais vous faire un petit topo des jeux que je possède d'Hélène Ciotta. Alors elle a créé également, et il est encore en vente, l'oracle de notre univers. Donc voilà, alors en général les jeux d'Hélène Ciotta sont de très très bonne qualité. Et alors cet oracle est très intéressant parce qu'il possède des mots-clés très originaux, je trouve, que l'on ne trouve pas forcément dans les oracles lambda. Et voilà, donc je trouve que c'est très 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 intéressant de l'avoir. Ça donne d'autres perspectives d'un point de vue divinatoire que ceux qu'on a l'habitude de nous proposer, tout simplement. Voilà, donc un jeu très intéressant, d'une qualité excellente. Je vous mettrai la présentation de ce jeu de toute façon à la fin de cette vidéo. Elle a également fait un tarot qui a l'originalité d'avoir des arcanes mineures qui vont que de 1, donc de l'as jusqu'au 5. Il y a par contre plusieurs familles d'arcanes mineures. Il y en a au-delà que de 4. On est, je crois, à 5, voire 6. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai utilisé le premier jour que je l'ai reçu et là je ne l'ai pas réutilisé. Toujours est-il que c'est la même facture au niveau de la qualité. Alors le tarot est une ode à Lovecraft. Donc pour tous les passionnés de Lovecraft, c'est un tarot que je recommande. Bon, j'y reviendrai plus tard. Alors on peut l'utiliser comme tous les jeux d'Hélène Ciotta de différentes façons, soit de façon légère, on l'ouvre, on le prend, on l'utilise, ou on peut le bûcher un peu plus. Et voilà, donc là c'est les arcanes majeures que je vous présente. La qualité est toujours impeccable. Alors je vais vous dire combien de familles il y a. Et alors il y a la famille des roches, la famille de l'eau, la famille de terre, la famille de l'ombre. Donc on est à 4. La famille d'étoiles. Voilà, donc on est, c'est bien ce qui me semblait, il y a une famille d'arcanes mineures en plus. Et donc je vous mettrai la présentation de ce tarot, le noir tarot d'arcane, en fin de vidéo. Ce tarot est intéressant parce que numérologiquement, il finit à 5. Et souvent, lorsqu'on utilise le Marseille ou le Rider, les valeurs numérologiques des arcanes mineures sont très proches de l'as jusqu'au 5 et au-delà du 5. Dans le Marseille, on va appuyer plutôt l'interprétation numérologique, une certaine interprétation numérologique, et dans le Rider, plutôt une autre. Et donc, du coup, là, on garde jusqu'au 5, là où c'est identique pour les deux, donc c'est pas mal. Toujours est-il, je vous mettrai la présentation en fin de vidéo donc de ces deux jeux que j'avais déjà présentés. Elle a également fait une bonne, l'une des plus belles, selon moi, version de l'oracle de Béline. Malheureusement, il n'est plus disponible. C'est que des jeux auto-édités qu'elle fait. Et c'est vraiment l'un des plus réussis, à mon sens, version du tarot de Béline, hormis l'original, hein. Mais voilà, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, je trouve que c'est vraiment la version la plus réussie. Donc c'est dommage qu'il n'ait plus réédité. C'est vraiment dommage. Alors là, toujours est-il que on arrive donc à un magnifique oracle qui est fait en aquarelle, que voici. Donc qui arrive dans une toolbox. Hop, les cartes sont vraiment très très solides et très épaisses. On n'a aucun. Voici le dos. Si on les compare à un grimoire, elles sont un petit peu plus petites, moins hautes, mais légèrement plus larges. Voilà. Donc, deux façons d'utiliser, trois façons même d'utiliser cet oracle. Vous pouvez l'ouvrir de la boîte et l'utiliser directement, car vous avez donc le nom de l'oiseau
qui est en bas. Et vous avez donc une phrase clé qui est en haut. Donc vous pouvez l'utiliser juste en utilisant la phrase clé. C'est suffisant. Vous pouvez l'utiliser donc de façon divinatoire ou autre. Vous pouvez inventer d'autres méthodologies autres que de la divination avec également. Vous avez également un PDF qui est proposé par Hélène Ciotta, mais vous pouvez également l'enrichir si vous avez un atlas sur les oiseaux, par exemple. Si vous n'avez pas un atlas sur les oiseaux, vous pouvez très bien trouver ce que l'on rencontre sur Google par rapport à l'oiseau qui vous intéresse. Voilà, donc c'est ce que j'appelle des jeux un peu comme des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir de différentes façons, ça je trouve que c'est très intéressant. On est très proche, je trouve, du graphisme des oiseaux. On est très proche, et l'aquarelle va très bien, justement, par rapport aux oiseaux, c'est un art très doux, je trouve. Et puis bon, je trouve que c'est super bien fait, tout simplement. Voilà, je trouve que vraiment les oiseaux sont super bien dessinés et super bien peints également. Donc par exemple, là nous avons le Kamishi à collier. La voix est une sentinelle, tu protèges les autres. Donc vous voyez, juste avec le mot-clé, on peut s'en sortir lors d'un tirage. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un jeu qu'on peut sortir de la boîte et de suite utiliser. Alors, j'ai l'impression que les phrases utilisent un peu le langage des oiseaux, c'est-à-dire des phrases à double sens. Donc, on peut, quatrième façon de l'utiliser, on peut donc également utiliser, j'en suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'on peut utiliser des livres sur le langage des oiseaux, donc pour... c'est vraiment si vous voulez faire ce jeu de... Vous voulez que ce jeu soit votre cheval de bataille et l'utiliser vraiment à tous vos tirages, vous avez la possibilité vraiment de creuser dans la signification des cartes. Voilà, c'est ça qu'il y a d'intéressant. C'est que ça nous offre la possibilité d'aller au-delà de ce que nous propose donc le créateur, en l'occurrence la créatrice. Et ça, je trouve que c'est très intéressant d'avoir des jeux comme ça. Ceux qui n'ont pas envie d'avoir 50 000 jeux, mais qui veulent avoir un jeu et l'étudier à fond, donc on a cette possibilité, donc déjà dans un premier temps d'utiliser le PDF, déjà en tout premier temps d'utiliser la phrase clé, également le PDF, et après comme je vous ai dit, vous pouvez également trouver d'autres significations dans les atlas, et il me semble également dans certains livres qui s'appellent « Le langage des oiseaux ». Donc il y a plusieurs livrets à ce niveau-là. En tout cas, toujours est-il que je trouve les dessins super bien réussis. Alors évidemment, les cartes, on pourrait penser qu'elles sont petites, mais moi je trouve que c'est beau, c'est parfait comme taille. Et la qualité est vraiment impeccable. Voilà, je trouve qu'ils sont super bien dessinés. Voilà, donc quand j'avais vu ce jeu, je me suis dit, il me le faut absolument. Je n'ai pas du tout de jeu sur les oiseaux. Et ben là, j'en ai un et une belle réussite. Alors, je n'ai pas compté le nombre de cartes. Je vais vous dire ça de suite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 cartes. Donc ça va, c'est un nombre très intéressant. Donc si vous voulez contacter Hélène Ciotta, il faut la contacter sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez Hélène Ciotta. Donc je vous mettrai le nom et prénom sous la barre d'infos. N'hésitez pas à la contacter. Peut-être que sûrement vous pourrez la contacter dans les commentaires. Elle sera sûrement en commentaire sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous êtes intéressé par un de ces trois jeux.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.